Hello à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Je suis allée, une fois n'est pas coutume, chez Lidl. C'est lundi, écoutez, apparemment je n'étais pas la seule à me rendre chez Lidl aujourd'hui puisqu'on était nombreux en caisse et il y avait énormément de monsieur, des papis, des papas, qui faisaient leurs courses pour la semaine et qui du coup aussi faisaient les courses pour toute la famille. Je pense que c'était le rayon outillage qui les intéressait. Et ben, du coup, forcément, je suppose que leurs femmes les ont envoyées également faire les courses familiales. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de monde, mais ça va. C'était bien approvisionné aujourd'hui, ce qui n'est pas toujours le cas chez Lidl. Donc voilà, on est parti pour un gros retour de course puisque j'en ai eu pour 130 euros. Vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là, vous en avez là. Voilà, ça prend tout le L de ma cuisine. Comme d'habitude, j'ai fait ma liste de repas sur mon application Cookie Dough de Thermomix, mais comme d'habitude également, je vais essayer dans la barre d'infos de vous donner des équivalents de recettes à faire sans Thermomix si vous n'en avez pas, puisque je sais qu'évidemment, tout le monde n'en a pas un. Donc à chaque fois, je vous donne des idées de recettes. Et vous avez dans la barre d'infos des liens marmiton par exemple avec des équivalents pour que vous puissiez vous reproduire chez vous. Et je vais essayer d'ici cette semaine de vous faire des menus type sur mon blog pour que vous ayez encore plus d'idées pour vous nourrir, parce qu'on le sait tous très bien, surtout nous les femmes qui portons la fameuse charge mentale. C'est très énervant de toujours se demander qu'est-ce qu'on mange ce soir. Voilà. Alors, les menus de la semaine. On commence par le sucré. Je vais faire des cupcakes à la myrtille. Je vais faire ensuite pour le salé un flan de brocoli. Je pense que ça sera principalement pour mon mari. Non, pour mon fils et moi. Parce que mon mari et les brocolis ils ne sont pas amis. Pourtant, il aime les légumes et les brocolis, non. Des légumes farcis. Des pâtes courgettes, tomates et pois chiches. Une pizza 4 fromages certainement pour ce week-end. Une salade de penne à l'italienne. Une salade de quinoa, tomates, pois chiches et mozzarella. Et enfin, un de mes classiques que j'adore faire, la tarte thon tomate, parce que tout le monde l'aime et c'est ce qu'on veut. Donc pour tous ces repas, on peut tous manger, sauf peut-être la pizza 4 fromages pour mon fils, c'est peut-être un peu trop fast. Donc voilà. Et sinon, de toute façon, pour mon fils, je fais toujours des purées si besoin, ou j'ai des plats déjà préparés à l'avance. Oui. Allez, ça fait 2-3 minutes que je parle. On est parti pour le sec. Allons-y. Et le sucré. Voilà. Un paquet de levure, de farine. Ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Donc voilà. J'ai repris les fameuses compotes en gourde qui sont sans sucre ajouté. Donc il y a trois variétés au rayon bio: pomme, fraise, banane, pomme, poire et pomme toute seule je crois, mais là j'ai pris que ces deux là. Mon fils est 4 jours par semaine chez la nounou, je lui donne un paquet, il y en a 4 par paquet et c'est parfait. Alors moi je lui donne autant en gourde pour qu'il fasse travailler un peu sa bouche parce que c'est très bon pour les enfants, mais je lui donne également beaucoup à la cuillère pour qu'il gère les quantités, c'est très important également. On arrive plus à quantifier en mangeant comme ça qu'en gourde selon moi. Alors j'ai repris du café, alors j'ai pris plusieurs sortes histoire de varier. L'expresso pour quand j'ai des invités, puisque moi je ne bois jamais l'expresso, je ne bois que des longs. J'ai repris ceux-là, je vais refaire une tentative parce que de mémoire il me donnait un petit peu mal au ventre. Donc du coup, hop, attendez, je décale juste un peu ma fille, comme ça je range en même temps dans le tiroir et ça me fait de la place sur mon plan de travail. Ouais, donc les cafés Lidl me donnaient un peu mal au ventre, donc je vais retester. J'ai repris celui-ci qui est le bio que je vous montre tout le temps et que j'adore, intensité 7. Voilà, c'est très très bien. Donc j'en ai pris un autre comme ceci. Du chocolat pour les petites pauses sucrées de mon mari. Des flocons d'avoine pour mes porridge. J'ai pris les bio là, mais d'habitude je ne prends pas forcément les bio. Mais bon, voilà. Des amandes effilées. Ça c'est pour plusieurs petites recettes. Alors les amandes effilées, ça coûte toujours super cher, mais ça va, chez Lidl c'est raisonnable.
La compote en pot qui est sans sucre ajouté pour mon mari et moi. Alors vous verrez, c'est un peu le retour de course de la compote. J'ai pris toutes les sortes en pot, en bocal comme ça. Enfin bref, je sais pas ce que j'ai foutu avec les compotes, mais bon. Des petites préparations toutes faites pour mon petit bébé qui est là à côté et qui commence sa diversification. Potiron, tout simplement, puisque je n'ai pas trouvé aujourd'hui de potiron, que ce soit chez Picard. C'est normal, chez Lidl, j'en ai pas trouvé, mais chez Picard non plus. Donc voilà, puis ça peut toujours dépanner. Le Mesli, le Bjorg pour mon mari, avoine et chocolat, parce que je n'aime pas trop ceux de la marque Lidl. Mon mari les aime, mais moi je les trouve trop caoutchouteux en bouche. J'ai repris du chocolat noir dessert, parce que je n'en avais plus et moi qui suis toujours en train de faire des pâtisseries, j'en ai toujours deux d'avance, c'est pour moi la base. Et chocolat blanc, ça c'est pour faire les muffins à la myrtille. D'ailleurs, il me fallait aussi de la vanille, mais je n'en ai trouvé sous aucune forme aujourd'hui. Donc voilà, et ça aussi, je prends toujours des petits pots d'avance, comme je vous ai dit, pour mon fiston. En ce moment, il y en a chez Lidl. Donc là, je lui ai pris blanquette de riz et dinde. Bon, j'aime pas trop lui donner ce genre de pot, mais je vais pas vous snober en vous disant que je fais tout maison. C'est pas vrai. Je prends aussi des pots tout faits de temps en temps. Ensuite, je vais remettre une sucette. Attention, hop, ici. Et me revoilà. Non, je vais essayer de couper au montage, mais peut-être que j'aurai la flemme de faire un montage, donc je serai juste plus là. Des aubergines, alors bio, parce qu'il n'y avait que des bio. Alors. Voilà, on ne reviendra pas sur le débat du bio sous emballage. On n'est pas trop d'accord avec ça, hein. Des bananes, j'en ai pris comme d'habitude deux grappes puisque vous savez que nous, on est team banane. J'ai pris des petites pêches comme ça que j'ai déjà mis dans mon saladier. Trois pomelos corses comme ça qui sont très bons, qui viennent de... de Corse, je crois que je l'ai dit. J'ai pris des tomates. Je sais plus si je vous ai dit. Vous savez que moi, je prends toujours les gros pots de pommes comme ça, pommes golden. Ça sert pour mon mari au travail. Ils ont un extracteur de jus, je crois. Donc, souvent, je lui en donne. Moi, je me mange mes pommes comme ça. Ça sert pour le petit, pour les purées, si je lui en fais maison. C'est jamais perdu. Deux brocolis pour le flan de brocolis. Des kiwis puisque j'adore et mon fils aussi, c'est bourré de vitamines, donc super. Deux avocats mûrs à point. Bon, la dernière fois, mes avocats n'ont jamais été mûrs. Ça fut un échec total. Une salade iceberg, vous savez, je les adore comme ça. Elles gardent leur fraîcheur longtemps. Je les prépare à l'avance, je les lave, je les essuie bien, je les coupe et je les mets dans du papier albal. Et c'est génial. J'ai pris des petites framboises pour mon fiston et évidemment des myrtilles pour les muffins, enfin les cupcakes. Une grosse barquette de tomates cerises puisque chez nous on adore, mon fils en raffole en ce moment et j'ai une recette où il m'en fallait 600 grammes. Ah, 12 œufs. Alors j'ai regardé rapido, ils n'étaient pas cassés mais en dessous je vois que c'est un petit peu mouillé donc peut-être que c'est un autre. Bah, coucou toi, à côté qui a coulé. Voilà, elles sont dans leur sachet, mais c'est des courgettes. Mais tu veux nous parler? Tu veux participer? Ensuite, j'ai pris deux laits matin légers, faciles à digérer, puisque je vais essayer d'éviter le lactose dans mon alimentation au quotidien. Donc, bon, vous allez voir que je vais quand même faire une pizza au fromage, mais je vais essayer de le limiter dans tout, dans mon petit, dans mon porridge le matin, remplacer mon yaourt. Grec pareil autant lactose puisque ma fille est intolérante donc du coup comme je l'allaite je vais essayer moi aussi de m'en passer. J'ai pris, ah je vous ai pas dit, j'ai pris un citron comme ceci. Alors excusez-moi mais alors moi et le cadrage je crois qu'on sera jamais amis. J'ai pris ces galettes Björg, elles sont trop trop bonnes, elles sont ouvertes puisque mon mari a pris un paquet avant de partir faire ses petites courses. Fourrées au chocolat, écoutez-moi. Chocolat noir en plus. Une tuerie. Voilà. Je vous dis que ça. Dites-moi en commentaire si vous les avez déjà testés. Allez chez Lidl ou vous les trouvez de partout puisque c'est des Björg. Achetez-les, goûtez-les et vous m'entendrez des nouvelles. Des petites échalotes, comme ceci de chez Ducros.
du riz basmati, puisque hier j'ai regardé la nouvelle vidéo de Isadora et Marisa et elles m'ont donné envie, voilà, du thon. Des pois chiches, puisque vous avez vu dans mes recettes, il y a beaucoup, beaucoup de pois chiches. Des olives noires. Ensuite, alors je sais pas, voilà, là on arrive dans ma folie des yaourts. Je sais pas ce qui s'est passé. Ce matin, j'étais chez Carrefour, j'ai acheté pas mal de yaourts végétaux. Et là, je me suis dit, oui, je vais les comparer, nanana, les marques, pas les marques. Et du coup, j'ai 3 tonnes de yaourts. Donc, on va goûter les yaourts végétaux au lait de coco de chez Lidl. Je vous donnerai des nouvelles. On va goûter aussi les galettes veggie, soja, tomate, basilic. Parce que moi, je suis principalement végétarienne. Je mange vraiment de la viande de temps en temps. Et quand je suis invitée, mais de moi-même, je n'en mange pas. Des billes de mozzarella, j'en ai pris deux. De la mascarpone. Lidl, pourquoi il n'y a pas de ricotta chez vous? Dites-moi, je ne comprends pas. C'est vraiment un gros, gros problème. Ensuite, j'ai pris des yaourts, des compotes, pardon, pommes mangue, puisque c'est un fruit que mon fils a très peu l'occasion de goûter. Pommes, la compote de pommes, une mozzarella entière pour la cuisine. Du jambon fleurimichon, moins 25% de sel. Des petites pâtes épinards ricotta pour les jours où on n'a pas le temps, parce que oui, même avec un Thermomix, on arrive, ça arrive qu'on n'ait pas le temps de cuisiner. Toujours dans les yaourts végétaux, ceux au citron, toujours au lait de coco. Du chèvre pour la pizza 4 fromages. Du saumon, ça c'est pour moi. Voilà, en fait, je mange pas de viande, mais je mange du saumon par contre, et je peux manger du poisson. Du parmesan, du comté, du beurre, oula, de la crème, 30% de matière grasse. Des escalopes de poulet pour mon mari. Du saumon tranché comme ceci, saumon fumé. Et voilà, donc c'est tout. C'est déjà pas mal, vous voyez, il y a pas mal de trucs. Ah oui, j'ai pris, je vous disais que moi, mes produits d'entretien, c'était du naturel le trois quarts. Mais mon mari en a un petit peu marre. Donc il m'a demandé de reprendre un truc classique. Donc j'ai repris le W5. Spray Javel 3 en 1, cuisine et salle de bain, on verra bien. Si c'est plus efficace que notamment mon vinaigre blanc. Voilà. Donc pour ceci, on en a comme je vous ai dit pour 130 euros. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plats. Donc c'est vachement plus que pour une semaine. Donc je pense qu'on va tenir un moment si je m'organisais bien. Plus toutes moi les petites salades que je me fais, les avocados toast et tout. Bon, là vous voyez pas de pain, mais parce que j'ai décidé de couper le pain. Mais j'ai des petites galettes de sarrasin que j'adore et que je prends chez Lidl aussi, c'est très bien. Voilà, donc 8 vrais plats et de quoi se faire de bonnes salades, des bons fruits pour les desserts, les yaourts. Donc je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. Laissez des petits commentaires. La dernière fois, vous m'en avez laissé. J'ai énormément apprécié vous lire. Je vous demande à chaque fois est-ce que vous êtes resté jusqu'au bout et tout ça. Donc, n'hésitez pas vous aussi à me partager vos petits goûters préférés, ce que vous aimez bien acheter chez Lidl, tout ça. Juste petit aparté, puisque j'y pense, je regrette aujourd'hui. Alors, soit je n'ai pas vu, je n'ai pas trouvé d'huile d'olive. Je n'ai pas trouvé la vanille, je n'ai pas trouvé, comme je vous ai dit, la ricotta, mais la ricotta, il n'y en a jamais. Et il n'y avait ni basilic frais, ni basilic, vous savez, surgelé. D'ailleurs, il n'y avait aucune herbe aromatique surgelée. Je ne sais pas si c'est propre à mon Lidl, parce que l'autre Lidl où je vais, il y en a, mais là, il n'y en avait pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, liker la vidéo. Vous abonner si le cœur vous en dit. Et puis, écoutez, je vais essayer de vous filmer des journées dans mon assiette, puisque ça serait dommage de passer à côté avec toutes ces bonnes choses. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt!